Mais c'est ça. Tu fais des flots depuis le temps pour rien. And then we had that leak in the roof, remember? Oh, don't remind me. Maybe once we sold the house, there might be some money left over for a weekend trip. Hey, you could take Rose to Waterland. Yeah, it's a great idea. Yeah. She's been bugging us all summer to take her there. And then I'll take her again when it's my turn. Yeah, she'll get to go twice. Double the fun. Yeah. Yeah, double the fun. Là, ça va être vraiment le fun. Let's race. Go, go, go! C'est qu'il y a moins de baboune avec nous autres, genre. Non, fuck him. Wouah! Mais il triche! Mais qu'est-ce que vous êtes? Un Kleenex, quoi? What? Cet été... A single Kleenex must defend Planet Earth from... aliens. Eh ben, on est mort. And this new movie... with Liam Neeson... and Bruce non. Willis. Kleenex Kitten. Kleenex Kitten. Oh, c'est fini. Donne des vibes de tune de Donkey Kong Country. Ça me rappelle vraiment un Way Out. Les beats sont semblables. Il y a des scènes semblables. Ça donnait quoi, ça? Juste toi qui peux le tirer. Oh, mais ok, il faut que je tire ça. Oh, c'est un abominable homme des neiges. Amenons-le. Ben, un homme, c'est une chose. It's ma'am! T'as-tu vu la vidéo de ça? Ah, fucking shit, non. Que c'est un... ben, une ou un, je sais pas comment dire ça, là, mais... Disons que c'est un monsieur qui a changé de sexe, vois-tu, et... Ça a rendu une femme, mais le look énormément d'un homme. Et l'histoire, c'est que dans la vidéo... Elle s'en va dans un big game. Le commis ne sait pas trop quoi dire. Il arrête pas de dire monsieur sans faire exprès. Puis elle pète sa coche. Elle dit It's ma'am! Mais tu sais, fucking musclé en plus. Ouais. <C'est> comme... Puis il décalisse un stand genre de jeu genre, en quissant son camp. Genre, c'est comme Oh my god. Ça, il avait fait plein de jokes sur ça, genre Aquaman, Superman, Batman. Ok, je t'emmène là. Ok. Rendu ici. Il y a quoi? Ok, il faut que j'emmène ça là. J'adore les puzzles. Mais j'étais tellement content. T'as-tu vu la bande-annonce de Resident Evil? La deuxième. La première, elle montre pas grand-chose. La deuxième est wow. Tu vois les zombies, les chiens zombies. Tu vois les Lakers qui sont crissement mieux. Le film, là, il est, ben, la série est mieux faite que le dernier film. Là. Le Lakers, là, il est comme... 3D, mais tu vois quand même bien fait là. Araignée géante. C'est la première fois qu'ils mettent ça dans un
film en vrai, ou ben, enfin une série en vrai, ou un film. Jamais ils ont touché aux araignées ou aux animaux. Là. Le Grave Digger du 3, en plus, j'étais comme, oh shit. Mm-hmm. Tu sais, je l'ai pas eu dans le 3e, dans le 3 remake, mais ils vont me le mettre dans une série. Je suis bien content. Puis ça, c'est une série. Là. Je veux dire, si ça pogne, si ça marche, ça fait du sens, puis le monde aime ça, mais elle va continuer à en faire, qu'elle a dit. Puis c'est la fille que je te parle qui est une fan finie de Resident Evil. Puis mm-hmm. comme qu'elle a voulu dire, elle a voulu faire, elle voulait pas toucher vraiment au jeu pour pas comme massacrer le jeu d'une certaine façon, parce qu'il y a jamais quelqu'un qui va être content de toute façon. C'est ça. Fait qu'elle a fait quelque chose de totalement nouveau dans le futur. Fait que personne peut dire, oh, ça se passe pas, peut pas se passer de même parce que telle affaire. fait que si effectivement ça marche, elle va pouvoir continuer ça puis ajouter peut-être Hunter, des affaires de même. Préféré. Puis des nouvelles versions, peut-être un nouveau genre de Nemesis, quelque chose de même, on sait jamais. Même que ça a l'air qu'elle a des sources par rapport à Village dans sa série. Fait que. A cabin! Moi j'ai hâte. Très hâte. Ben oui. Merci. Genre le petit ourson Joy là, avec des gros cris de deuil, là, qui c'est un hologramme comme. Qui chante là. Mais des questions que je me pose, comme comment Umbrella refait surface de même, puis qu'il vend des pilules, puis que tout le monde le trosse, là, tu sais. Tu me donnes une petite bonne raison, là. Parce que là, ouais, ils font des pilules ils font des pilules antidépresseurs, puis là, le. Oh, attends, qu'est-ce qu'il dit? Oh! Comme un phénix. Relationship. Relofion. Relofion. Oh my god. Quand même bien cherché. En anglais, c'est relationship. Un fion. Relofion. Relofiant. C'est lui qui fait le jeu, là. Une avalanche! Je vais gagner! Rappelles-tu Resident Evil 6 avec Sherry PJ, un petit motoneige? Mais mieux fait! Avec des contrôles non de marde! C'est ça! Kiri, je sais pas ce qu'il avait pensé de faire comme. Ah, oh, les contrôles de montagnage sont parfaits! Le gars, c'est un crise de fucker, genre. Sataniste. Tu vois, je veux dire, ils font des tests habituellement quand ils font mm-hmm. tester du monde quand ils sortent un jeu, habituellement, il me semble. Ils sont rendus là, puis oh, on a plus le temps, guys! Puis je suis comme. Il y a personne qui ont dit c'est de la crise de merde, la motoneige. Genre, pourquoi je veux utiliser la motoneige même après, genre? Wow! Non, je ne sens plus mes pieds. C'est peut-être ici que tu parles. Je sens plus loin, ouais. On est séparés. Plus loin. Ah, quand on peut pas aller trop loin, c'est ça. Ah. Ouais, badass. The power of explosion. Harry Potter, vous devez apprendre un nouveau sortilège. Testiculus. Oh shit! Je suis comme rejoint au mauvais moment. Attends, je
peux pas te rejoindre ici, ok. Faut que je... Ok, il faut l'attendre que tu sois au bord. Tout simplement. Suis-je à... Tu peux me rendre. Oh, attends. Je vais essayer de faire de quoi. Ok. Wait. Magnets in the air. Wait for me. Can I get a ride? C'était sur moi, hein? Ouais. Mais tu sais, il y a des choses qu'on n'a pas vues dans la bande-annonce. C'est sûr qu'il n'a pas tout montré dans la bande-annonce aussi. Là. Je veux dire, il vient à... La série viendrait me chercher d'autre là s'ils mettent Yann. J'étais comme... Oh. Ok. What the fudge? C'est quelque chose que j'ai manqué? Moi, je vais aller au côté. Oh. Sans moi, je peux pas aller là. Je vais aller là. Genre à deux, on saute puis on se magnétise. Un, deux. Et à deux, on meurt. Oh. Par exemple, je suis apparu là. C'est donc... Ça a l'air que j'avais réussi, je sais pas. Storm is coming. Keep your magnet ready. Easy now, Magnet. You'll get back to her soon. Qu'est-ce que c'est, ce bout-là, tu parles? Non, c'est après. Juste après la montagne. Mais... Et le bleu, c'est... J'arrive pas à y toucher. Bon, le bleu c'est toi. Je peux pas viser le bleu. Pointe-toi au bleu. Non, je suis pas capable de pogner le bleu, c'est toi, il faut qu'il pogne. Bon. Bon, c'est ça qu'il faut faire. Go, go, go! Next! Run, run! Le rouge! Ici, ici, ici. Non, ok. Non, je suis pas capable de pogner le rouge, laisse faire! Comme dirait Maud Baboon. Oh shit. Frimousse regarde ça avec passion. Là. On voit des bonhommes qui bougent vite. Oui. Ça qui rentre dans. Il smash la TV, décolle et tout. C'est électrocute, puis il meurt. Fini Frimousse, plus de Frimousse. Non. Dans le trou! Vite! Ah, oh, c'est la deuxième fois dans le jeu, je pense qu'on s'accroupit pour l'heure. Oui, Frimousse. We're gonna make it through this. Oh, oh, oh. One buttercup, two buttercup, three. Oh. C'est ici. Ça va être fucking facile. Je vais aller de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté, reste là. Je sais même pas c'est quoi pour faire. Là pour l'instant. Pour l'instant, je sais pas là. Faut-tu que je traverse moi là? Non, reste là. D'accord. Parce que la première fois, on a essayé, on s'est dit, ben, faut se rejoindre dans le milieu en même temps, ça n'a pas fonctionné, fait qu'on a passé je sais pas combien de temps, essayé plein d'autres affaires, ça fonctionne pas. Maintenant, on l'a eu, faut juste se rejoindre dans le milieu, mais un, on pouvait pas le faire. 2, 3, go! Non, non! Oh, mince! Oh, c'est pas grave, je pense il reste là. C'est plus facile de même de mourir, je pense. Ok, on y va à 3? 3, ouais. 1, 2, 3. Tu vois ce que je voulais dire? C'est de la merde. Ah!
Je suis où, bordel? Je suis capable de remonter, là. Ouais, vers la droite. Ça va être correct. Non, c'est vrai, sinon, sans moi, tu pourras pas remonter en haut. Moi, que je vais par là? Ouais, je peux monter. Ah, ok. J'imagine qu'il faut genre sauter, même si on saute par en avant, le vent va nous faire... 1, 2, 3! Go! On peut charger notre truc, fait qu'on reste sur place pis on... Ah, ça, je savais pas ça! Je viens de voir ça, genre. Non, mais ça a pas pris 500 fois au moins. Fuyons! Fuyons cette merde! La chose. Oh, we made it! Yes! That was good teamwork! Yeah! Yeah, it's awesome. It's windy out there. Yeah. No shit. C'était leur script durant le... Ouf! Oh. Les aurores boréales. Mon Dieu, la maison est en feu. La petite a crissé le feu dans la maison. History of proposals. No, Cody. I didn't care about the words. It was the way you handled it. Without trying to hide how scared you were. It was brave. La, 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 la. Beautiful moment, you two. You're making great progress. We got more work to do, though. Défécation. Let's get going. Le nez Cody me rappelle celui de Nemesis dans le remake. Son nez est super croche comme ça. Ça m'a pris du temps avant de savoir qu'il y avait un nez. Ouais. Vraiment qu'il est difforme. J'aime mieux l'ancien Nemesis. Qu'est-ce qu'elle mange? Juste du beurre, crisse de dégueulasse. Ouais. Une tranche de pain avec beaucoup de beurre. Dans une tranche de beurre avec du pain dessus. Cholestérol. T'as du pain dans ton beurre? C'est comme un... Une affaire de Pokémon que j'avais vu, c'est comme... C'est comme de quel type est Snorlax? Diabète 2. Toi, tes parents étaient heureux avant que tu naisses. Letter beast number two. Congratulations. Isn't this exciting? Yes, we're thrilled. Good. Now, how do you find your purpose in life? Through, wait for it, passion. Yeah, I still don't see the connection here. Because you've lost your passion, Cody. The passion that lights the path to your purpose in life. Passion, path, purpose, passion, you know, huh? No. Maybe he's talking about you wanting to be a gardener. Good, mate. Tell him, tell him. Well,
We partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Well, I mean, firstly, you never really encouraged me, like, at all. And secondly, you never really seemed to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault? You see, this is why we can't live together. You see? That's why I gave up. I do see. But look what it did to your relationship. Cody, it's time to awaken. Passion! Leave this. Ce bout-là est quand même cool aussi avec les bouts des araignées. Tu vas voir. Painstaking groundwork, I might add. Oh, really? Painstaking groundwork, huh? Look at this. Come on. What is that? I didn't plant that. What is it? Yeah! Use your head, and you will understand soon enough. My head? Yeah! Whoa! Whoa! The fuck? And me. This time, you will encourage and support his passion. Yeah! Okay, cool. Yeah, just watch where you point those things. Yeah, you just watch your head. That purple thing is blocking our way. Looks quite ugly. Low. Yeah, whatever it is, we need to get rid of it. Y'a-t-il quelque chose faut que je fasse, là? Non, faut que tu le coupes. Celle-là, faut que tu coupes. Allez, but! Ouais. Ah, oh, j'aime me rappeler le boss de ça, puis. Oh, c'est de la merde. Les fourmis. Oh, fast. Whoa, I'm thinner. Cody, is that you? Yeah, this is amazing. Doesn't flower. Ouais, sauf que je suis à peau, je m'en allais. Juicy. I'm not kidding you, Crash. Juicy. Oh, man, what happened to my greenhouse? Oh, it looks terrible. Yeah, that is what happens when you abandon your passion. It gets infected. Infected? That purple stuff is everywhere. And it will keep spreading unless you stop it. So, Cody, will you nurture your passion? Will you slowly let it die? Huh? Huh? No. May, let's take this purple stuff out. Let's do it. Vamanos! Vamanos! Whee! How much it spread! That's how infections work. Primos! But how could it take over this fast? It must be really powerful. We have to save the garden before it dies. No. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Il saute sur le fil. Arrête! Oh! What the fuck? C'est quoi cette affaire? Bonne question. Primos, arrête de tirer, calice.
Well, that'll teach him to stay away from my garden. You nailed it, Cody. Oh yeah, cactus style. Le jeu de mots. Oh, j'ai mis rapide du spa, c'est tellement cool. Ça, c'est des pommes, arc, elles sont toutes moisies. Moisies pommes! C'est des haricots, peut-être. Ouais, cette grosseur-là, ça doit être ça. Des prunes! Ouais. Tu peux devenir maintenant une marguerite. Oh, so pretty, I know, right? Oh, and I think I can help you across. Ok, juste que je pousse des feuilles. Tu vas traverser là. Oh my god, t'as une face! Ouais, je suis une plante heureuse. Non, c'est encore bloqué par cette merde. Ah, faut que je t'aime. Ah, c'est ça. Faut que tu... tu me fasses traverser. Par le trou! La fenêtre qu'on a ouverte. Moi, ouais, j'essaie de tourner, ça voulait pas. Il fallait que j'avance en même temps. Il faut que tu fasses les feuilles. Ok. Oh, I think this is as far as I can stretch. Ok, ça devrait être beau. Hope it's that simple. Et toi, tu peux pas apparaître? À moins que... Attends, je vais essayer de détruire ça, ouais. Et voilà. Did you hear that? Yes. Did you see that? Yes, what was it? I don't know. Oh, that looks pretty angry, mate. Yes, it does. Time to whack some weeds, Cody. Tunnelier. Petit chenapan.
rock things. Well, we whipped them into shape, didn't we? Yeah. Trimmer. Good one. Les gros serpents sous la terre. C'est quasiment ça. J'adore cette, cette série de films. Ah, c'est tellement bon ce film-là. Ben. J'ai les huit films chez nous. Chris, il y a huit films. Je sais même pas si j'ai vu le deuxième. Je sais que le premier, j'ai vraiment aimé. Premier, le deuxième, c'est avec les vers quand ils sont à la deuxième phase, ils se transforment. Puis après ça, le troisième, c'est sa troisième phase. En gros, les vers pondent, ils meurent, puis il y a comme quatre petites bébêtes à deux pattes qui sortent. Puis après ça, eux autres, ben, ils se transforment en oiseaux, genre. Puis les oiseaux pondent des œufs, que ça devient des trimmers. Fait que ça fait un cycle fucked up. Yes, it did. Do you recognize that plant? No, no, I didn't plant that. Are you sure? What about the first flower you planted in the greenhouse? You mean joy? What is? Is that joy? I didn't know you named your plants. Well, just that first one. You know, I just wanted to make sure that joy would always be part of our lives. Oh, Cody. That's sweet. Yeah. Well, it doesn't matter now, does it? Everything's infected. There's still time, Cody. Kill the infection and make your garden bloom again. Okay, Book, you're right. Come on, May. We have to stop this. Oh, come on, then. Brisons nos jambes! Puis dans tous les films, t'as le. T'as tout le temps le même acteur dedans là, que tu vois. Là. C'est avec la moustache, Kevin avec les gars. Kevin Bacon là. Ou l'autre? Non, Kevin Bacon a juste fait okay, le ouais, premier. Lui. Kevin le Bacon monsieur, a juste fait là. Le premier. Dans le deuxième, c'est le. Son collègue qui est encore là. Puis il s'en va en Amérique du Sud chasser des tremors. Puis là, il se rend compte que finalement, il y a un autre type de tremors. Tu as deux pattes. Puis le gars avec la moustache, ben il arrive avec ses guns parce qu'il a divorcé de sa femme, puis il est parti avec ses guns préférés, puis tout, en tout cas. Bon. Puis là, dans le 3, ben c'est lui qui revient en ville, puis là, il y a une attaque de Tremor encore, mais là, la ville est comme prête. Puis là, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il y a des oiseaux que. En fait, c'est comme un Tremor qui ressemble à un gros. Canard, genre, avec deux pattes, puis des ailerons pour planer. Puis comment ils font pour se propulser? Ils pètent, genre, puis ça fait un espèce de gros truc de feu qui sort du cul, puis ils revolent. Puis ils sont attirés par la chaleur. Mais il y a un Tremor albinos, fait que lui, il peut pas se reproduire. Fait que lui, il reste là, puis il bouffe le monde en plus dans la terre. Fait que là, ils ont dans le ciel, plus dans la terre. Puis ça finit que le gars, il adopte le Tremor parce que il y a une espèce de trou de cul qui veut démolir la ville pour faire une espèce d'usine ou quelque chose. Fait que là, il garde le Tremor, vu que c'est une créature en danger rare. Il peut pas rien construire là. Fait qu'ils ont gardé le Tremor en compagnie. What the hell? Mushroom. Le 4, c'est dans le passé, dans le temps des cowboys. Puis t'as les premières attaques de Tremor. Puis c'est l'ancêtre du gars avec la moustache. Fait que c'est le même acteur. Là. Lui, il est contre les armes, juste à la fin, il capote ses armes. C'est tellement drôle. Après ça, le 5, c'était quoi? Le 5, c'était en Afrique. Avec un nouveau type de trimmer encore plus gros. Le 6, c'est au Canada, ouais. Avec des trimmers dans la neige. Parce que Canada, c'est dans la neige. Ouais. Puis le dernier, c'est des tremors qui vont dans l'eau. Dans une île déserte, ou je sais pas trop, là. Là, des Pokémon, là. Trouble!
Puis genre quand il s'en va en Afrique, il y a un gars qui veut comme suivre ses traces, puis comme moi si je suis un fan, puis puis là il est comme ok, t'es qui toi? Puis il s'aperçoit que c'est son gars. Bon, plot twist. Après plot twist. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop de petites bébites. Mm-hmm. Genre en Afrique, le tremor, le vert, il jump dans les airs comme une baleine. Là. Crissement intense. Là. Fait que même si t'es sur une roche, il vient te chercher. Là. Ow! Une petite foule, tabarnak. Pouvez-vous arrêter de proliférer? Crise de virus de marbre. Go, go! Hostie, le petit Chris. Oh! Arrêtez de sortir comme si ça se peut pas. Frimo, c'est pas le moment de me rentrer dans la face avec ton poil. Peut-être t'es en train de couler sur le fil. Merci, Frimo, de cet amour-là. Je sais que tu m'aimes. Oui. Tu comprends? Ben oui. Oh! Une araignée sauteuse! C'est mon araignée préférée. C'est cool. Aller sur leur dos puis aller à l'envers, c'est vraiment fun. Ouch. C'est mon araignée préférée, ça. Dans le film Terreur sur 8 pattes, là, il y en avait. J'ai écouté ce film-là? Non. C'est un film avec toutes plein de sortes d'araignées géantes. Hein. C'est comédie, là. C'est pas vraiment horreur. Là. Puis il y a des migales. Habituellement, les migales, ça cache en dessous des roches. Puis ils pognent le monde. Là. Mais vu que c'est des migales géantes, ils sont en dessous des chars. Là. Fait que le monde passe à côté, puis le char, il se lève, puis l'araignée, elle bouffe le monde. Puis faut qu'il ait trouvé l'araignée... Spider Rider! Je peux-tu quand même lancer de l'eau? Ok. C'est la grosse araignée mère, c'était une veuve noire. Là. Fallait qu'elle tue pour. Faut-tu que je fasse d'un coup? Quand je fais ça, c'est quoi que ça fait? Ah, ça fait juste. Parce qu'on va être à l'envers à un moment donné, on va avoir besoin de la toile, juste pour changer de côté. Ok, moi, présentement, je peux rien faire. Faut que j'aille au bord. Je sais même plus quoi ça faut que je fasse. Parce que. Ok, non, c'est ça, faut que je fasse pas mal. Attends, je vais allumer celle-là. Ah! Et voilà. Oh, faut que je continue à lui donner de l'eau, lui. Bon. There you go. Oh, I miss going hiking in the forests. Follow me. Oh, il y a une autre araignée ici. Another spider. Let's get it out of there. Oh yeah. C'est tellement une... J'adore les araignées. C'est une de mes animaux préférés. Genre quand il y en a une. Non, j'ai jamais eu de domestique. Une tarentule? Non. Je veux dire, quand j'en vois dans ma maison, je les laisse là, là. Ouais, moi aussi, sauf que l'année passée, avec l'appart... Il y en avait 300. J'en avais 30 juste dans la fenêtre de chambre. Sur le balcon, il y en avait genre 40. Il a fallu... Non, j'imagine la scène, genre... Hey. Tu te lèves un matin, tu regardes ton chum, il est comme... 300 araignées sur lui. Comme fuck! Non, mais c'est des araignées noires, mais avec un gros derrière. Puis c'était plein, là. Mais pas eu le choix de faire quelque chose parce que. Oh, c'est intéressant, ça. Je vais ramasser avec les araignées, mais avec plein de cadavres d'insectes partout. Moi, j'ai déjà pogné une veuve noire Ouija dans un sac à raisin. Ouais, tu me l'as dit, ça. Ma fête le saut en crise.
Oui. Elle était vivante. Hein. Parce que je l'ai tué sans faire exprès en mettant une caisse dessus, mais ça, je l'aurais pas vu. Ben, je l'avais pas vu. Ok. C'est intéressant. Il y a deux animaux exotiques que j'aimerais avoir. Mon top 1, ce serait un caméléon. Ben, si tu pouvais, ton top 1, ce serait un dino, à vous lire. Un dino, hein? Blue. Ouais. Rose was here to see this. Oh, ça a l'air cool, ça. Ça a pas l'air cool, c'est cool. Petite balade de santé. Ouais. Des années qui font ça, hein, pour de vrai. Justement pour. Je pense qu'ils font une danse, justement. Mm-hmm. Une danse nuptiale. Hmm. Ça a pas l'air gentil. Ça veut pas qu'on progresse. Oh oh. Oh shit! Oh no, I don't like this! Open the plant! Open the plant! Elle est bois. Bois du Powerade, ah ouais. Purel. Déçu Purel. On est séparés. I'm on my own adventure now. Did someone want to share an adventure? Non, Gandalf, non. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, ben oui, je peux faire ça. Purple goo. Oh, Mario Sunshine. Purple rain. Purple rain. Ça ressemblait à Mario Sunshine, peut-être là. I'm Wario number one. Spider-Man. Spider-Man. Qu'est-ce que je fasse? Ça. Oh. Il combat les méchants. Est-ce que je dois aller quelque part? Ah, sur la branche. Tu dois utiliser la force, jeune padawan. La force. Tu dois utiliser. C'est comme une bande dessinée genre, quand j'étais jeune. Hein. Enfin, puis c'était quoi le magazine? T'avais Gandalf avec Frodon. C'est comme... Frodon. Puis ils sont dans un bar, puis tout. Puis là, t'as comme Gandalf comme... Frodon, le temps est proche. Le temps est proche. Oh non! Le temps de quoi? De mourir? C'est comme le temps de quoi? De détruire l'anneau? Non, de dégueuler, puis il dégueule, genre, toute sa bière. Oh, I get it. C'est des bébés. Elle est tellement sympathique, regarde ça. Mm-hmm. Oui, la plupart du temps, les gens aiment ça, les araignées avec des yeux comme ça, parce qu'ils trouvent cute, mais les autres, non. Mais pourtant... Si tu respectes les araignées, tu devrais toutes les respecter. C'est ça. J'ai une des plus belles que j'ai vues, c'était une araignée
qui était dans un dans une boîte de bananes. Puis elle était jaune verte, était vraiment belle. Welcome to America. Histoire d'une araignée perdue en tabarnak. Que c'est ça? Hey, c'est une bestiole dans Zelda, ça? Mais oui, toi. C'est une créature dans Legend of Zelda. Legend of Zelda. Je pensais que les autres étaient chiens, les autres font encore plus chier. Ok, moi je. Mais non, c'est faisable. Oh! Lance des gouttes à... pour les yeux d'en face. On dirait du Pepto-Bismol. Genre la purée que les tétabies mangent. Je sais pas ce qui me garoche là, mais. Ça a pas l'air bon. Non, je suis décédé. Je suis revenu. Déconcrissé. Non. Oh non! Pas fort, tu. Dis à ma femme que je l'aime. Oh wait. Mon Dieu, t'es mort là. Ouais. Attrapons celui qui est déjà blessé. J'essaie de faire, mais je me suis fait buter. Ça devrait être plus facile. I'm a sprout man. Pre-pra-pa-tarato. Pre-pa-pa-parato. Pa-pa-ti-parato. Non, je sais Scatman, mais en soi, je comprends. Mm-hmm. C'est une parodie, ok? De bestiole, j'ai jamais vu une bestiole qui a un visou aussi pire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est off-team, les squelettes de vise, puis de vise en crise. C'est un. C'est le fun. Enough! Oh non, des troncs. C'est connard. Des troncs, des étrons, troncs. Des hommes troncs. Des troncs et troncs. A way out. It's a way out. Oh yeah, c'est temps de shooter encore. Shut up and shoot. C'est ça qu'il disait dans le film de Spornhub que j'ai écouté hier. It keep coming. C'est là que je suis sorti de l'école puis que j'ai arrêté d'écouter ça. Là. Ouais, c'était facile. On peut traverser. Keep shooting, no, shoot, 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 shoot. Okay. Boing, slang, slong. The coconut nut is a big, big nut. It's the biggest nut of the family. Tintoué, tintoué. Tintoué, vilaine fleur! Oh non, je meurs! Oui! Nous sommes tombés. Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt marrant. Oh shit, qu'est-ce que c'est ça? C'est une taupe ça. Mm-hmm. Je suis en train de vivre ma game de Donjons et Dragons. Sauf que là, je suis un joueur. C'était un de mes premiers boss que j'avais mis une taupe géante. Interesting. Elle faisait pas un son de même, exemple. Oh, c'est quoi? Des noix? C'est quoi je marque dedans, là? Des écailles. Des écailles, hein? Oh my god, c'est un mille pattes! Hein? Il est muet. Il est muet, genre 4000 fois, parce qu'il y en a beaucoup. Hmm.
poussons cette grosse cocotte de pain. Ouais, ils ont pas une très bonne vue, mais... Oh, wow! Si on parle, ça fait-tu du son? La 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 la... Non. Okay. Oh, attends! Vois qu'ils ont des dents... What the fuck are you doing? Vois qu'ils ont des dents pointues, là. Ça en est crolissé, en plus. Moi, j'ai pas comme pensé que c'était croustillant. Croustillant. Dans un jeu, il y avait un gars qui s'avait appelé Croustibat le guerrier. Oh. Puis il a mis son c'était quoi son acolyte, Pensec. C'est un gars où j'en étais pas tout à fait là. Il y a des problèmes, mais je sais pas pourquoi. Il m'envoie des affaires des fois. Je sais pas ce qu'il est devenu, ce gars-là. Il y avait du monde bizarre où j'ai, on va dire. Là. Du monde bizarre partout. On dirait qu'ils sont. Des histoires que je ne peux rencontrer en stream, justement. Mais. Ouais, je veux pas l'entendre, anyway. Non, c'est assez. Ça me demande, comme, pourquoi tu me dis ça, genre? Pourquoi tu l'as fait, là? C'est quoi ça? Primo Wax Wood Sealer. Universal usage. En parlant du GA, j'ai voulu donner une chance à un sandwich. Puis tout le monde à job, ils l'ont vu là. J'étais en train de manger un sandwich. C'est bien dégueulasse, Carlis. Ça a été fait genre la journée même. J'ouvre mon wrap. Je regarde la salade, c'est noir. Hein. Oh. J'ai pris des photos, puis ils m'ont remboursé. Là, mais c'est... Oh, shit. Jamais que tu fasses confiance au jeu. Puis là, il dit, oh, c'est parce que c'est... Instant regret. C'est parce que c'est... ça vient déjà congelé, comprends-tu? Bon, c'est pas une raison que ça soit noir comme le dégueulasse. Arrête d'en commander, Carlis. Ça ressemble à une crise d'envie de chier, ton affaire. Je vais pas manger ça, là. Chris, ta salade est à date de temps des pharaons, tabarnak. Là. Moi, je veux avoir quelque chose de frais. Là. Pas normal, faut que j'enlève la petite salade, parce que c'est trop dégueulasse, mange juste le poulet. Même le poulet, ça goûtait le crise de plastique. Là. Puis c'est bizarre, hein? J'ai pris une sandwich le lendemain. Wow. Au dépanneur en face. Pas... Oh fuck, je fais du son, moi, avec. Oh, j'ai peur. Porc effiloché en face dans le dépanneur, puis t'es frais comme le Chris. Là. Tu vois que la salade. Ouais. Non. Juste la crise de marde. Relève. Il y a bien des taux. Ça vit pas en groupe de ouais, puis surtout, il y a plein d'écailles. Moi, c'est normal, là, le nombre d'écailles qu'il y a partout. Moi, je même. Pense des tops de gland. Mais c'est des. Des taupes, ça vit solitairement. Hein. Me semble. J'ai jamais vu quelque chose comme que les taupes habitent en armée de 30. Là. Ok, ouais. Oh fuck. Oh fuck. On va attendre que ça baisse. Oui. Fuck. Oui. Oui. Ok, j'ai peur. Fuck Outlast, t'as pas un plus de stress, site, là. Non. Toi, non. Il y a plus gazon. De fun dans Outlast. Ouais, le gars pas de nez qui te poursuit, là. Yeah. Attends, y a-tu un nez? Non, y a pas de nez. C'est l'arraché, je me rappelle bien. Comme le docteur Mayhew, là. C'est comme perdu une jambe. Pourquoi? Oh, j'avais faim. Le mange. Ça sonne comme un ours. Oh, oh, oh.
J'allais trop vite. Oh, il veut capturer. Go, go, go! Il veut capturer le. Mais il dort pas, là! Clairement, il pourrait me voir. Non, il fait des sit-ups. Il fait fonctionner ses abdos. Il y a un autre verre de terre là-bas, je sais pas pourquoi. Oh, parti. Il est parti le verre de terre. Ouais, il y en avait 4 au début. Il a juste manqué. Teintoué. Oh oh. J'ai vu quelque chose de velu. Je sais pas, là, j'ai comme vu une silhouette. Ah, je le savais. Mm-hmm. Ça court pas si vite que ça, voyons donc. Peut-être, je sais pas, je prends une taupe. Hey, ça là, fait penser à Crash. Crash Bandicoot. Quand il y a l'ours polaire qui te poursuit, là. Oh my god. Il y a beaucoup de références à plein de petits jeux, je pense. Run for it! Oh, son chum arrive. Comme Sonic. Enfin. Comme Sonic. Qu'est-ce qu'on entend, là? Holy c'est fuck! C'est eux qui brisent les cristaux. Non, mais ça semblait à des splouches. Run! Moi, je suis correct, pas toi. Ouais, t'es de l'argile. T'es pas vraiment bon. Oh oh, il y en a un autre en bas. Ah, ils ont faim, là, juste pour nous autres, là. Oh. Ah ah ah. Sauvegarde. Moi et tout. Oui! Oh oh. What the fuck? I'm getting tired of these balls. Push it down. Pauvre tau. Elle s'est fait violenter par des petites poules. Oh shit! Oh my god, qu'ils sont agiles. Vite, il y a une taupe de dû. Oh, l'escargot. Il y a une taupe de dû. Oui. Oui. On a des junkies. Ils n'ont jamais mangé de leur vie. Là. C'est comme mon chat. C'est là. Ça. Wow, c'est quoi ça? C'est de l'argent? Ouais. Oh is my... Ici. Fuck! C'est un film de Red Wall en vrai. Genre. Incroyable. Oh non, il y en a un autre! Ils sont tellement violents! La violence des taupes! Mais y'en a comment? Oh my god! Juste une secte! Lui il est mort! Lui il est mort! Ou il est ben ben magané! Une perdue mille de retrouver! C'est les autres qui nous nourrissent celle-là! Là. Oh! What the fuck? Ouais, cette boucle-là, il est pas pire aussi. Is killable today. Hey, you take the fat one. Hey, I'm right here. This will do your
Sparkle, Acme, Dumbo Frog. Come on, little clay boy. Nothing from you. Nothing from you. Il y en a un qui est... Il y en a un qui est italien, l'autre est français. D'après les accents, là. Oh, sorry. Namaste. Oh my god. C'est triste à dire, mais le 2h est fini déjà. Fait que prochain épisode, on va jouer avec des grenouilles. Ben, on va voir ça. C'est-tu une attaque de langue, non? Non, juste ça. Taxi. Moi, j'ai italien, toi, t'as le français. Donc, on va arrêter ça là. Donc, je vous dis merci d'avoir été là, tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.